Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons parler de la fonction recherche V dans un premier temps et dans un second temps nous verrons l'implication de trois fonctions, la fonction SI, la fonction NA et la fonction recherche V. Alors nous verrons bien sûr l'intérêt d'imbriquer ces trois fonctions. Alors petit rappel de la fonction recherche V, la fonction recherche V d'Excel permet de faire exécuter au tableur une recherche dans un tableau de valeurs et de renvoyer la valeur trouvée dans une cellule déterminée à l'avance. Alors, je le conçois, cette définition n'est pas très claire, mais nous allons mieux comprendre lorsque nous allons travailler sur un exemple bien précis. J'ai écrit pour information, comment s'écrivaient ces deux fonctions, recherche V et fonction SI. Mais ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, allons dans le vif du sujet et allons directement dans mon exemple. Alors, cet exemple se repose sur principalement trois colonnes. Première colonne, ce sont des clients. La deuxième colonne correspond à des départements. Et la troisième colonne, ce sont des valeurs monétaires. Alors, j'ai rajouté volontairement une troisième colonne et cette colonne va être destinée à recevoir automatiquement des remises, des taux de remise par rapport à des départements. Alors la base de données originelle où je pourrais aller chercher cette information est dans l'onglet remise et là donc j'ai des départements et les remises qui sont en adéquation avec le département. Par exemple, le 13, si je tape dans ma liste de données un département de 13, je souhaite que Excel me ramène une valeur égale à 10%. Si c'est un département de 75, je souhaite que Excel me ramène une valeur de 25%. Alors, avant de mettre en place ma formule recherche V, je vais définir un nom à cette plage de cellules. Alors, je ne vais pas m'attarder à vous donner une formation, en tout cas dans ce tutoriel, de la définition de nom d'une cellule ou plage de cellules. Ce problème sera éventuellement abordé dans un autre tutoriel. Alors, pour donner un nom à une cellule ou à une plage de cellules, il suffit de sélectionner la plage de cellules, aller dans la zone nom et donner un nom. Donc, je vais, par exemple, appeler cette plage de cellules remise 1 pour que ça ne fasse pas doublon avec le nom de l'onglet remise. Je tape entrée. Je vais donc retourner sur ma liste de données et je vais commencer pour cela à aller chercher ma fonction recherche V. Pour ce faire, je vais m'appuyer d'un assistant. Donc je vais cliquer dans la barre de formule sur F2X. Je vais aller choisir une catégorie pour me faciliter mes recherches. Je vais aller dans tous. Ici, je vais taper sur la touche R. Et je vais aller directement aller chercher ma fonction recherche V. Je clique sur OK. Alors, valeur cherchée. Quelle valeur dois-je chercher? Eh bien, tout simplement, le département. Donc, je vais sélectionner la cellule B2 et que je vais affecter ici, dans ce champ. La table et matrice. Quelle est ma table et matrice? Eh bien, ma table et matrice, en fait, correspond, ni plus ni moins, à la plage de cellules que j'ai au préalable nommée, où il y a la colonne département et la colonne remise. Donc, pour ce faire, et pour trouver cette plage de cellules que j'ai au préalable nommée, je vais aller dans l'onglet formule, je vais aller dans le groupe non défini, et utiliser dans formule. Et remise 1 est ici. Donc je clique sur remise 1. Par la suite, je dois me poser la question suivante. Donc je reviens dans l'onglet remise et je dois me dire où se trouve dans cette plage de cellules, dans ce tableau, l'information que je veux renvoyer. Eh bien, il faut tout simplement se dire que cette information que je veux renvoyer se situe dans la deuxième colonne de ce tableau, en l'occurrence dans la colonne remise. Donc je vais tout simplement taper 2, qui correspond à la deuxième colonne de ce tableau. Alors, valeur si faux ou valeur si vrai, que dois-je mettre? C'est très simple. En règle générale, on met systématiquement faux. Pourquoi? Parce que je veux une correspondance exacte.
Dans le cas contraire, si je souhaite avoir une valeur approximative, je mettrai vrai. Donc moi, je souhaite avoir une valeur exacte. Donc je vais taper faux. Et là, à partir d'ici, j'ai déjà le résultat du renvoi de ma formule. Je clique sur OK. Par la suite, il suffit de faire un simple copier-coller. Et comme on peut le constater, toutes les valeurs par rapport au département que j'ai ici ont été renvoyées, mais par rapport à ce tableau. Je reviens sur ma liste de données. Si, par exemple, je mets, je ne sais pas moi, le département 75, on peut le constater que la colonne qui a été renvoyée, la remise qui a été renvoyée, c'est bien 25%. Donc je remets le département 13, et voilà. Donc la remise est bien de 10%. Alors, deux petits soucis. Vous auriez pu éventuellement me dire, si j'étais en face de vous, mais pourquoi sans liquider l'avis, alors qu'il suffirait tout simplement de mettre directement les remises, alors que j'ai en effet que, on va le constater, que 9 enregistrements. Eh bien, c'est très simple. Il faut vraiment se mettre dans la peau d'une entreprise. Et une entreprise a des milliers et des milliers d'informations à traiter. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Excel a la possibilité d'importer une autre base qui ne concerne pas Excel. Je pense, par exemple, à une base Access ou à une base Oracle ou SAP. Voilà. C'est dans ce cas de figure qu'il est souhaitable de maîtriser certaines formules. Alors, deuxième problème, si j'importe un département qui ne fait pas partie de ma liste originelle, en l'occurrence là par exemple je vais prendre le département 66, nous allons voir ce que ça donne, 66, et bien Excel me renvoie un dièse ENA. Alors moi, pour pallier le problème, je vais, imbriquer deux autres fonctions, la fonction SI et la fonction NA, pour que éventuellement, lorsque le département ne fait pas partie de ma liste originelle, me renvoie un blanc ou une autre information. Alors, pour ce faire, je vais commencer à copier ma formule à l'aide des touches CTRL et C. Je vais revenir au début de ma formule et taper SI, la fonction SI. Et je vais aussi maintenant taper la fonction ENA. J'ouvre la parenthèse. Une fois cela fait, je viens ici, okay, et je ferme par une parenthèse la fonction ENA. Et là, je rebascule dans la fonction de logique SI. Alors, le test de logique, c'est ça. Maintenant, si je souhaite renvoyer une fonction vraie, en l'occurrence, si ma valeur ne fait pas partie de ma liste originelle, je veux du blanc. Donc pour concrétiser du blanc dans une fonction Excel, il suffit d'ouvrir les guillemets et de les fermer. Par la suite, si je souhaite basculer dans valeur si faux, il suffit de taper point virgule et coller à l'aide de la touche CTRL V la fonction que j'avais copiée initialement. Une fois finalisé mon opération, je vais finaliser aussi ma fonction en fermant avec à l'aide d'une parenthèse ma fonction. Je fais entrer et là, comme on peut le constater, comme le département 66 ne fait pas partie de ma liste initiale, Excel m'a renvoyé un blanc comme je lui ai demandé. Il est bien sûr que, en me mettant entre les guillemets, j'aurais pu renvoyer une autre valeur. Par exemple, je vais mettre ce département ne fait pas partie de la liste. Et je t'apprendrai. Voilà, comme on peut le constater, je vais l'agrandir. Si je mets le département 13, le Excel me renvoie bien une valeur de 10%, et si je mets un département qui ne fait pas partie de ma liste, en l'occurrence 66, Excel me renvoie bien ce département ne fait pas partie de la liste. Voilà, donc je pense que l'imbrication, donc je vais revenir au départ,
parce que je souhaite avoir du blanc, et je vais vous agrandir volontairement la formule afin que vous puissiez la voir. Donc si ENA recherche V blanc, sinon recherche V, etc., etc. Je reviens à une vision normale. Alors, autant vous le dire, la fonction recherche V a une limite. La limite est la suivante. Alors là, je vous ai dit que la recherche V pouvait éventuellement me ramener une valeur, en l'occurrence la remise, mais cette valeur doit obligatoirement être à droite du tableau. Si cette information était à gauche, ce n'était pas possible. Alors, pour pallier cette carence, il faudra remplacer la recherche V par deux autres fonctions, la fonction index et la fonction equive, et il va falloir les imbriquer. Alors bien sûr, je traiterai dans un nouveau tutoriel ce type de problématique, et espère que ce tutoriel vous aura aidé à vous perfectionner. Je vous remercie de votre attention.